Téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'endroit depuis où vous nous captez. Nous sommes très heureux en tout cas aujourd'hui de pouvoir au moins vous permettre d'explorer au moins les merveilles de la ville de Mbujimayi. Les talents se laissent parler. Exactement que de par le monde, il y a autant d'histoires qui se racontent. Mais Mbujimayi va devoir aujourd'hui vous permettre de découvrir au moins un talent. Un talent qui se laisse parler dans le sens tel que nous pensions récemment normalement commander des histoires à partir de l'Europe. Mais à partir déjà d'aujourd'hui, Mbujimayi met à votre portée au moins des dispositions tout à fait normales. Je reçois pour vous dans cette émission l'une des personnes en tout cas qui va devoir vous permettre de découvrir au moins les merveilles de la province Kasaï orientale, la ville de Mbujimayi précisément. Clarisse, bonjour. Bonjour Fabrice. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir vous recevoir au moins dans cet espace découverte. Mbujimayi veut normalement connaître les merveilles. Peut-être que nous nous sommes déjà habitués à commander les histoires seulement à partir de l'Europe, mais à Mbujimayi, tel que déjà les téléspectatrices, les téléspectateurs peuvent vous voir, il y a possibilité déjà d'avoir des sacs à main, des babouches et tout ce dont on a besoin. Au moins, dites-nous déjà que c'est vrai ou c'est vous commandez à partir de l'Europe? Non, effectivement, c'est vrai. Aujourd'hui, déjà, la population de Mbujimayi peut déjà se fabriquer ou encore avoir des sacs de babouches, de colliers, des bracelets fabriqués ici, en Mbujimayi. Voilà. Fabriqués à partir d'ici, à Mbujimayi. Donc, on n'a plus besoin de passer nos commandes Kinshasa, Lubumbashi, au Paris, ceci, cela. On n'en a plus besoin. Dites-moi, ça prend combien de temps pour normalement, si quelqu'un vous passe sa commande, ça prend combien de temps? Au fait, si quelqu'un passe sa commande, c'est minimum 3 jours déjà pour avoir sa commande au complet. C'est un peu ça. Bon, est-ce que pouvez-vous en tout cas nous parler de certaines spécificités de votre maison, moi? C'est Clarisse Kita, en tout cas, avec qui nous sommes en train de parler ici. Essayez un peu de nous expliquer comment ça arrive. En fait, déjà, à la base, ma marque, c'est KC Style. KC Style est beaucoup plus basée dans la fabrication de plusieurs accessoires, mais garnis du pagne. Donc, on fabrique et à la fin, on garnit du pagne. Non seulement la garniture du pagne, mais aussi des accessoires fabriqués à base de perles. Il y a des accessoires fabriqués à base de perles. Il y a aussi des emballages biodégradables. Donc, c'est un peu dans ces domaines-là que nous nous basons beaucoup plus. C'est un peu ça. D'accord. C'est dans ce domaine, normalement, où vous vous êtes totalement axé. Je voudrais, pour la petite histoire, afin de rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent à l'instant, que vous puissiez nous raconter votre petite histoire. D'où est partie l'initiative? Waouh! Au fait, déjà à la base, ce n'est pas venu juste comme ça. Je me suis réveillée un beau jour, je me suis dit, bon, moi je vais fabriquer les chaussures. Non, quand même. Déjà, j'ai été formée, moi aussi, pour fabriquer ces histoires. J'ai eu à faire une formation dans ces domaines. J'ai eu à faire une formation à Kinshasa. Et après, je me suis dit, bon, je vais bien sûr le faire, je vais vendre, oui, parce que je suis déjà à la base entrepreneur. Mm-hmm. Mais pourquoi pas ajouter encore quelque chose au fait? Pourquoi pas innover chez moi où ce genre de truc n'est pas encore arrivé? C'est comme ça que je me suis décidée de mettre en place une idée de formation, en quelque sorte, où je pouvais former non seulement mais les gens en général, mais je pouvais former les gens de ma province pour pouvoir les aider à s'autonomiser un peu, pour ne pas toujours chercher de l'emploi par-ci, par-là, mais en apprenant à faire quelque chose soi-même, on peut s'y prendre en charge. Alors c'est comme ça que j'ai décidé carrément de rentrer en Mbujimayi pour pouvoir mettre cette idée ou encore cette initiative en place. Et voilà qu'aujourd'hui je suis là, non seulement je fabrique, mais aussi je forme les jeunes à apprendre à fabriquer ces mêmes matériels. Y a-t-il des conditions normalement pour apprendre aux gens comment fabriquer ça? Oui, certainement, il y a des conditions, des petites conditions, parce que tout ce qu'on nous donne gratuitement, on ne les prend pas avec beaucoup de valeur
pas avec beaucoup de chaleur, mais ce qu'on paye normalement, on le prend avec beaucoup de valeur et de sérieuxité. C'est comme ça que, avec cette formation, nos frères et sœurs doivent payer un petit rien juste pour la participation de la formation et payer leur matériel et puis participer à la formation. Voilà, Mbujimaï aujourd'hui à la découverte de certaines réalités alors que nous ne les savions pas, mais là nous sommes devant en tout cas de babouches. On ne sait pas comment est-ce que c'est fait. Ce sont des babouches que vous fabriquez ou c'est au moins vous achetez à partir du marché puis vous les habillez comme ça? Puisque les téléspectateurs peuvent vous voir au moins. Déjà, c'est les grands complets. Nous avons au moins des babouches. Et comment vous appelez ça? Ça, c'est l'éventail. L'éventail, voilà. Voilà. Et déjà, les femmes au moins se retrouvent. Hein. Ah, et oui. Les hommes, oui, sont les hommes mis de côté aussi. Non, non, les hommes aussi. Il y en a pour tout le monde. Enfants, papa, maman, tout le monde. En tout cas, tous les gens. Il y a hommes, femmes. Voilà, ok. Nous sommes en train aussi de voir au moins des choses là, des très jolis sacs. Et par exemple, parlez-nous un peu de ces sacs. Au fait, déjà, ces sacs, c'est un sac fabriqué à base de perles. C'est un sac fabriqué à base de perles. Et il n'y a pas que ces modèles, il y a plusieurs modèles. Il n'y a pas que cette dimension, il y a aussi plusieurs dimensions. Mm-hmm. Alors, ces sacs ne viennent pas remplacer les sacs sur les marchés, mais ces sacs viennent innover. Dites-nous, moi, que vous n'avez pas importé à partir de l'Europe. Hein? Non, non, je ne l'ai pas importé, en tout cas. Ça se fabrique ici en Mbujimaï? Oui, ça se fabrique ici en Mbujimaï. Sérieusement? Sérieusement, ça se fabrique ici en Mbujimaï. Alors, donc, il n'y a pas de limite. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut le fabriquer, tout le monde peut créer son modèle. C'est juste... innover avec le perle que nous jetons, deux fois nous les jetons, deux fois on ne sait pas vraiment l'utilité de ces perles, mais sinon déjà avec l'initiative, je crois que vous avez vu l'importance de ces perles en tout cas. D'accord, mais il n'y a pas que ça aussi derrière nous, on voit aussi même les boucles d'oreilles. Il y a des différents modèles, il y a des différentes dimensions et bon voilà. C'est en forme de cœur, c'est en forme de cœur et bon. Normalement pour les amoureux. Bon oui, je veux mettre l'accent là-dessus. Et puisque c'est en forme de cœur normalement. Ah oui, pour les amoureux. Les téléspectatrices au moins vont nous donner raison, hein. C'est en forme. Oui, pour les amoureux de sacs, les amoureux des accessoires, pas les amoureux entre parenthèses des cœurs, non. Les amoureux des accessoires bien faits, les accessoires classiques, bon, un peu ça, voilà. Voilà. Alors, quel est le message que vous avez au moins adressé à toute la population de la ville de Mbujimaï qui fait au moins pour la première fois cette découverte? Il y avait peut-être qui pensaient qu'il faut attendre seulement que Kinshasa envoie, que Lubumbashi envoie, que l'Europe envoie. Mais ben, c'est de façon un peu surprenante que l'on constate que Clarisse Kita en Mbujimaï est venue au moins pour devoir mettre à la disposition de toute la population. Moi, c'est joli marque. Nous avons dit qu'il n'y a pas que des sacs, mais elle est aussi spécialiste dans son domaine des décorations événementielles. Là, vous pouvez aussi nous en parler. Hein? Ah oui, hein? Bon, en dehors de la fabrication des accessoires, tous les accessoires confondus, je suis aussi dans la décoration événementielle, dans la décoration des bâtiments, et en fait, dans la décoration intérieure. Pour ceux qui ont des chantiers, qui veulent avoir leur maison des rêves. Alors, je suis là dans l'ameublement, dans la décoration et tout ça. Et non seulement ça, je suis aussi dans la coiffure et les make-up. Et bon, voilà, c'est un peu ça. Mais sinon, si vous avez vraiment besoin de me découvrir, on en parlera encore plus. On en parlera encore plus. J'aurais bien besoin que vous puissiez déjà donner votre adresse, vos coordonnées. Comment normalement retrouver Clarisse Kita? En fait, jusqu'à ce stade, pour retrouver Clarisse Kita, c'est via mon numéro WhatsApp, qui est le 081 074 26 96. Et aussi les 089 67 98 300. Et aussi sur ma page Facebook,
J'ai aussi une page Facebook, Casey Style. Mm-hmm. Casey Style, Casey Style. Et, ou encore, si vous cherchez Clarisse Keita, vous allez me retrouver. On va bien papoter, en tout cas. Voilà, d'accord. Et donc, téléspectateurs et téléspectatrices, tel que vous venez de pouvoir le constater, il n'y a plus question de commander seulement à partir de l'Europe. Il n'y a plus besoin d'aller ailleurs. Nous pouvons aussi valoriser notre province. Notre province a des talentueuses personnes, mais seulement si, peut-être à partir de l'émission que nous sommes en train de vous présenter, vous serez en mesure de pouvoir tant découvrir. Nous vous remercions sincèrement du fait que vous avez eu à prendre le temps de nous regarder, peu importe où vous êtes à l'instant. Clara, y a-t-il encore autre chose que vous voudriez ajouter? Puisque au moins je suis en train d'avoir un magnifique sac là, de ce côté-là, un magnifique sac en tout cas. Ça là, bon, je voudrais hein, bien avant la fin de l'émission, au moins déjà connaître des modalités. Il y en a qui se posent peut-être déjà la question, ça revient à combien? Là, vous pouvez préciser au moins, par exemple, comme c'est magnifique ça. En tout cas, préciser serait difficile en ce moment. Mais sinon, tout ce que je peux donner comme message, c'est que je ne suis pas que dans la fabrication, dans la formation, je suis entrepreneur. Mm-hmm. Donc, je fabrique, je vends par commande ou encore si quelqu'un a peut-être aimé l'un des sacs qui sont là présents, vous pouvez passer votre commande et on va vous les livrer. Mais sinon, le prix, ça se discute en face. Je ne peux pas donner les prix là, dans l'émission en tout cas. Voilà, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Et donc, à partir des coordonnées téléphoniques qui sont affichées au bas de l'écran déjà, vous pouvez passer votre commande. Herbert Chibanda fera de tout son mieux pour vous mettre en contact directement avec Clarisse qui est là. Elle peut fabriquer selon votre goût et selon ce que vous pouvez commander. Vous avez au moins des pagnes pour que l'on puisse habiller hein, différentes choses. Là, oui, c'est ça. Il y a la fabrication, il y a aussi la décoration, si je peux bien le dire. Voilà. La décoration des sacs déjà usés, des chaussures déjà usées, comme ce que j'ai sur mes pieds, au pied là. Ce sont des chaussures qui étaient déjà en décomposition sur la partie faciale et tout. J'ai essayé de remonter ça avec du pagne pour redonner un peu la vie à mes chaussures que j'aime bien. Voilà. Il y a aussi des sacs, on peut monter des sacs, on peut monter de bracelets ou encore en fabriquer. Donc c'est un peu ça. Clarisse, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Fabrice. Je crois que certainement prochainement, nous serons à la découverte de plusieurs autres choses. Madame, Messieurs, l'émission vient de vous être présentée par Fabrice Mboutisseya sous réalisation technique d'Herbert Chibandangandou HDC. Et donc, où que vous soyez, sentez-vous aimé, que le parfum d'amour que nous sommes toujours en train de répandre partout vous atteigne en tout cas. Sentez-vous bien. Bien de bonnes choses à tout le monde.